Yo tout le monde, c'est NutiTop, j'espère que vous allez tous bien, moi personnellement ça va super, génial. Alors là il faut savoir qu'il est minuit 54, je sors du tournage de Sky Defender 4 et c'est parti, je tourne cet épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère et je vous rappelle que là on enchaîne direct avec un donjon. Pourquoi? Parce que eh bien c'est ce qu'on avait à faire tout simplement. Alors, il me semble que au niveau de l'orbe des liens on n'avait rien de supplémentaire. On n'a rien de supplémentaire à faire. Donc du coup, je vous propose qu'on parte d'ores et déjà en donjon de manière tranquille et rapide. Et donc c'est parti. Alors, où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller? Bon, on n'a pas des trucs géniaux. Je vous rappelle qu'on devait partir en excursion, il me semble, dans 2 jours. Il y avait un truc dans le genre. Et donc du coup, on va se rendre à la rivière Tartare ou au jeune massif montagneux, peut-être. On n'a rien de nouveau, de toute façon. Prairie miniature, c'est un peu nul. Massif escarpé, tiens. Ça me paraît pas mal. 6e étage. Ben on va le faire, il est difficile. C'est parti, on va partir là-dessus. Massif escarpé. Alors, qui est-ce qu'on peut prendre du coup en membre principal? Puisque Dracolos n'est pas... Ah, on peut reprendre Dratak. Ça, c'est une très bonne chose. Prendre Alakazam. Choc mental, Rafale Psy. Est-ce qu'on prend Alakazam? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Scalpro aussi. On va prendre Alakazam, allez, on n'a jamais vraiment pris Alakazam en tant que leader. On va le prendre. Et comme ça, ce sera pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut... Non, ok, d'accord. Ok, sachant qu'il a synchro comme... je me suis encore fait avoir, les amis. Non, c'est pas la rivière Tartare où je vais aller. C'est le massif escarpé, voilà. Je me suis encore fait avoir, j'ai encore cliqué sur... sur non, alors qu'il fallait que je clique sur c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. J'espère qu'on va s'en sortir. 6e étage, j'ai pas trop vu ce qu'il fallait qu'on fasse au 6e étage, mais en tout cas, il faut qu'on le fasse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut attaquer? Non, là, on a rien qu'on peut attaquer. Téléport, ça fait quoi? Et merde. Pas forcément une très bonne chose. Mais dis-moi, ça veut dire que je peux faire... Je peux me TP partout quoi. Genre comme ça quoi. C'est génial. Les mecs c'est génial. Bon par contre c'est pas utilisable à l'infini. Mais bon c'est assez marrant. En gros si on est vraiment dans la merde Oula attends y a plein de trucs là. Sertir, ignore type. Oula bah oui on le sertit sur lui. Ou clairement. Ah attendez il y a quelque chose par là bas. Ok alors attends hop. Mec. Oula là. C'est bon, ça va le faire. Hop, on va faire une petite attaque choc mental. Ok, ça c'est bon. Poudreux, ça fait pas très mal, c'est bon. J'ai fait télékinésie, merde. Faut que je fasse attention aux attaques que je fais. Hein. Ok, c'est bon. Ok, la baie au rang. Ceci... Oh merde. Bah écoute, on va changer de Pokémon leader. Hop. Étage suivant. C'est parti, on continue. On va reprendre Alakazam en leader. Ça c'est pratique de pouvoir changer de Pokémon en leader. Vraiment, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment un truc qui nous... Ah, on peut pas passer dans les airs. Je regardais si on pouvait passer dans les airs, mais non. Parce qu'ils volent quand même un petit peu à Alakazam. Puissance! Eh ben, on augmente carrément sa puissance à lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oula! On a 2 Pokémon qui arrivent là. Alors, Rafale Psy. Rafale Psy. Ok. Superbe. Ça, on s'en sort vraiment pas mal. Ok, là, on a une case. Là, on a rien. Là, on n'a pas grand-chose. Ah! Fait. Pourquoi ils nous regardent pas? Pourquoi tu nous regardes pas, toi? Ok, ils nous ont pas vu. En tout cas, on gère. Hein. Niveau 56, on le sent. On le sent passer, hein, niveau 56. Enfin, ils le sentent passer, à mon avis, surtout. Ok, super. Alors. Ah non. Je pensais qu'on aurait les Félix, mais non. Tu te le gères tout seul?
Bon, il se le gère tout seul, mais c'est un BG. Marche sur l'objet anti-paralysie. Ok, il l'a attrapé, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, qui est-ce qu'on va avoir? Ouf, Wiffin, ça pourrait être pas mal. C'est un stall gamin qui a Wiffin. C'est pas par là, du coup. Ah bah du coup, moi je vous propose qu'on passe à l'étage suivant, l'étage 5. Sachant que c'est à l'étage 6 qu'on doit aller. Ah, là il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de monde. Sertir, on va le sertir sur... Plouf. Oh là là, la déflagration qui fait mal. 164, easy. Et ça y est, notre NT monte au niveau 21. Ça va, ils augmentent bien. Hein. Ils augmentent bien. Ils augmentent bien de niveau. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce que t'as, toi? Salut. 190. Oh, un anneau. Un anneau soin. Super. Et ben voilà, on peut aller à l'étage suivant. Il est impossible d'être sauvé à cet étage. Continuez. Oui, on continue. Attention. Ah, c'est un boss. Flamajou vous attend. Le chef. Trouvez le chef et envoyez-le au tapis. Objet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut lancer une gravel roche, je pense. Lancer. Ok. Pas mal. Alors, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Choc mental. Ok, ça, c'est bon. Ok. On part sur lui, choc mental. Ok, lui, c'est bon. Putain, mais il gère. La gravel roche en fait nous avait juste servi à éviter de ne pas faire de dégâts, mais sinon on a... Ça c'était du combat. Tu m'as retourné la mèche. Bah ouais, l'orbe des liens brille. Et on a géré à donf quoi. Flamajou. Alors est-ce que ça nous a connecté peut-être à Feuillajou et Flottajou? En soi ce serait logique. Oh là 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 là. Plein de trucs. Votre grade est monté de 70 points. Voulez-vous quitter le donjon? Oui. Allez, on quitte le donjon et on va passer, eh bien, je pense, une nuit. Et puis on va, je pense, renchaîner sur une seconde quête. Écoutez-moi tous. Demain, c'est le grand départ. Ah, c'est demain. Ok, d'accord. On vous conseille de prendre 500 Poké-Dollars avec vous, mais vous faites comme vous voulez. Vous êtes libre de prendre un casse-croûte et les objets que vous voulez. Bref, préparez-vous bien et rendez-vous demain matin. C'est pas tout ça, mais le discours, ça creuse. Bien sûr, ça creuse. Bon appétit! Eh ben super. Allez, on va partir. Demain, c'est le grand jour, j'ai trop hâte. Mais je me demande bien où on va. Bah, on verra. Faut dormir pour être en forme demain. On va où, ouais, c'est ça. Je sais pas où on va. C'est là que tu te rends compte qu'il y a un souci, quoi, quand tu sais pas où tu vas. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille, prendre un enregistreur, quand même. NT, ça y est, c'est le grand jour. Vite, vite, allons-y. Les joies de l'excursion, chapitre 14. Sympa. Votre attention, s'il vous plaît. Le jour de notre excursion est enfin venu. Êtes-vous tous fin prêts? Eh bien alors? Ah, les casse-croûtes ne sont pas encore prêts. Surtout le mien, le sandwich spécial à 5 couches. Mince, j'ai oublié mes sous. Moi, faut que j'aille bosser mes ailes. Oh là là, vous le faites exprès. Très bien. Lorsque vous serez bien prêt, prévenez d'Eden. A tout à l'heure. Ok, c'est parti. On va en profiter pour se séparer aussi. Quand on sera prêt, on ira parler à d'Eden comme Pharamp nous l'a dit. Ah, on se sépare? Mais on se sépare que dalle. On se sépare que dalle, mec. Le mec continue à me suivre. Alors, boîte dépôt. Objet déposé. Alors, pomme, on garde ce qu'il faut. Mini résu graine, ça va. Brutal médaille, on dépose. Branche car, très intéressant. Branche sommeil, très intéressant. Branche pétrifié. Attends, on va regarder. Mini résu graine, on en a, je pense qu'on en a un petit peu trop. Béoran, on en a un petit peu trop. Pomme, on a ce qu'il faut. Anneau soin, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la récupération naturelle des PV. On va le déposer. On va le déposer. La BFRF, c'est bon. Max Elixir. On a deux Max Elixir. Un seul, ça suffira. Un seul, ça suffira.
Et voilà, je pense qu'on est pas mal là-dessus. Ils nous ont conseillé de prendre 500 Poké-Dollars, donc on va voir, on va prendre... Écoute, on va retirer... On va retirer 701 Poké-Dollars, parce que je suis un thug. Venez nous marcher quelqu'un, je vends des passeports low-class. On s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est acheter des objets. Alors, on va acheter une pomme. Et une orbe résurrection, je pense. C'est important. On sait jamais, mais ça peut être utile. Ok. Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on est prêt. Et donc, du coup, qu'on va pouvoir partir pour cet endroit. Allez, c'est parti. ONT, vous êtes prêt à partir? Oui, allons-y. Tu es sûr? Tu as bien tout vérifié? Oui, aucun problème. Tu as tout bien réfléchi. C'est bon. Les autres ont aussi l'air d'avoir terminé leurs préparatifs. Mais c'est cool, ça. Je vais dire à Faramp que nous sommes prêts à partir. Génial. C'était rapide hein, quand même. Ils nous ont laissé littéralement 5 minutes, quoi. Sur ce, il est temps de partir. Jirachi d'Eden, à plus tard. Faites attention sur la route. Jirachi d'Eden ne viennent pas avec nous? Je reste à la maison pour réceptionner les éventuels messagers. Et moi, je préfère continuer à étudier les étoiles. Je ne peux pas me permettre de chauffer... De chômer, c'est dur d'être un génie. Ah bon, c'est dommage. Mais je comprends, le travail c'est important. Exactement, profitez-en pour vous amuser. Comment vous allez faire pour manger si je ne suis pas là? Ne t'en fais pas, on va gérer. Elle veut dire qu'on va enfin pouvoir manger sans que tu piques dans notre assiette. Très bien, tout le monde en route. On compte sur vous pendant notre absence. Pas de soucis, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, je ne sais pas. Alors à mon avis, il va y avoir un donjon pour aller à l'endroit où on va. Quoi? On va en excursion avec Loclas? Comment? Vous allez tous embarquer. Très bien, je vais faire de mon mieux. Tous sur le Loclas? On tangue, accrochez-vous où vous pouvez. Oulala, j'ai le mal de mer. Moi aussi. Tenez bon. Bah dis donc, Enti, faut s'accrocher pour partir en excursion. Nous sommes bientôt arrivés, courage. Ah, c'était chaud, là, la mer était brinque-ballante, quoi. Disons-le, sauvegarder et continuer. On écrase les données, bien entendu. Allez, on va voir. Ah, c'est bien, j'aime bien quand on avance dans l'histoire comme ça. Ça me fait kiffer. Et au bout de quelques vagues... Ah, super. Nous sommes arrivés. Hé, hey, Faramp, où est-on? Où en est-on? On est où? Quelle question sur le lieu de notre excursion, l'île du feu! Ah bon? Ça a pas l'air très accueillant. C'est pas vraiment le genre d'excursion que j'imaginais. Bon, et si on mangeait? Désolé, Sucroquin, nous avons une montagne à gravir. Nous mangerons après. Hein? Notre objectif? Le sommet du volcan. Allez, hop, on se motive. Mais ça a l'air super dangereux! On voit le magma couler d'ici! Oh, ça ira, pas de problème. Je me suis bien renseigné sur ce volcan. Il existe plusieurs chemins menant au sommet. Nous allons donc nous séparer en plusieurs groupes. Premier groupe, Archéaptis, Sapero et Sucroquin. Deuxième groupe, Musebwe, Plouk et Enti. Quant à Miss Dibule, elle vient avec moi. Entendu. Notre objectif, je le rappelle, c'est le sommet du volcan. Oh les cœurs, allons-y gaiement! Ça va, on a Musebwe nous avec nous. Arrangez-vous avec vos coéquipiers pour mettre au point une stratégie. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez partir. Ah, Musteboué, viens un peu par ici. J'ai une idée, si on entamait le casse-croûte en cours de route. Faut mettre au point une stratégie de combat. Musteboué, je te confie les petits. Je pensais confier cette tâche à Miss Dibule, mais elle est de type acier et fée. Les Pokémon feu sont légion ici. Elle n'est pas à son avantage. Bah... Un Pokémon du niveau de Miss Dibule peut surpasser ses faiblesses, non? Mais je comprends. Je suis type O. J'ai l'avantage ici. Attends, lui, c'est... Ah non, c'est ça, c'est le lapin que je voulais faire. Et je pourrais protéger les gamins en cas de pépin. Je compte sur toi. Ah aussi, si jamais tu croises l'autre... Pardon, patron? Mais je ne suis pas sûr de vouloir entendre la suite. Je veux tenter ma chance. Hors de question.
Il est trop fort. Ne tentons rien sans nous. Très bien. Je ferai de mon mieux pour faire comme vous demandez. Alors, Monsieur Boué, qu'est-ce qui se passe? Rien de très important. Bon, allez, c'est l'heure de l'excursion. Ouah, en route vers le sommet du volcan. Yeah. On y va. Voulez-vous aller au volcan de l'île de feu? Oui, c'est parti. Volcan de l'île de feu. Donc on a deux Pokémon eau et un Pokémon feu. Combat rapproché, Certir. Sur NT. Oula, va falloir faire très attention. Lui, il m'a l'air franchement fort. Faire double pied. Ok. En tout cas, la musique est géniale. Vraiment. Non, mais je le pense vraiment. La musique est vraiment géniale. On peut aller dans le feu? Ah oui, non, on peut aller dans le feu. Possible de changer de place avec Musteboué. Merde. Les mecs! Et les mecs! Les mecs! Putain. C'est bon. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Un enregistreur! Génial! C'est vrai que je voulais prendre un enregistreur pour y aller et au final, pas besoin. Je sais pas à combien il y a d'étages dans cet endroit, mais je pense qu'il y en a pas mal. Super critique, ça c'est cool. Ok, double pied, il est ténèbres. Hop, génial. Ok, il augmente son attaque, on lui fait un double pied. Ok, on est bon. Je propose qu'on prenne le... Oula! Attendez, il y avait encore... Je n'avais point vu ça. Goupix, salut! Tu peux t'en sortir, Goupix, ou pas? Franchement, l'effet de combat rapproché, elle est vachement utile là, à ce moment-là. Parce que l'effet de combat rapproché, en fait, elle permet de réduire la puissance des attaques de loin. Donc ça, c'est génial. Ouh, attends, c'est un Psyduck, ça. Super. Qu'est-ce qu'on a trouvé par terre? Je sais pas. Il monte au niveau 20, Plouk. Ah, il va prendre Lance-Boue. Non, c'est nul. Oublié. Oui. Par contre, super critique, moi, je le prends. Ok, sac, alors le super critique, augmente le taux de coup critique et d'attaque super, des attaques super efficaces. Ah, des attaques super efficaces. Ok, on va se sortir sur lui. Des Graval Roche, ça fait plaisir. Ok, il y a des Éphélites mais elles sont bien trop loin. Il y a encore une Éphélite ici. Rien. Il y avait une effet. Ah! Anti-paralysie, Certir. Allez, on va le Certir sur moi. Hop. Double pied. Non! Non! C'est quoi ce mec? Voilà, je préfère ça, hein, mec. Hop, c'est parti. Étage 3. Allez, on s'en sort bien, sur ce truc. Oh, cool. Une lumiorbe. Et une désarme orbe. C'est parti. Étage 4. Hop, double pied. Karatroc. D'où le truc est devenu collant là, il va falloir se calmer. Ça fait mal ça. Ok, il a pris quoi? Enchaînement. Ouh, enchaînement. Enchaînement, on va le mettre sur moi. Allez. Étage suivant, étage 5.
Hop, double pied. Capacité à échouer. Ah oui, c'est parce qu'on est en diagonale. Pour ça. Ok, ça c'est bon. Ok, dommage. On va passer par là. Droite. Oh, oula. Double pied. Double pied encore. Ok, c'est bon. Ouh, il fait peur lui quand même. Hein. Ok, hop, double pied. Est-ce que le terrain renforce les attaques de type feu? C'est ça que je me demande. GG, tu gères. Là, il gère, vraiment. 2. Puissance, sertir sur moi. Anneau dérivation. Dévie les attaques vers un Pokémon proche. Ça, c'est triste. C'est un peu triste, donc faut faire attention. Et je pense qu'on va le mettre dans le sac, on va échanger contre un truc nul. Genre une baie cerise. Graval roche, on peut les ramasser. Hop. Étage 6. Étage 6, étage 6. Ah, il était là le... J'avais pas vu. Il était là l'escalier. Ah oui, parce qu'on est ratterri sur l'escalier en fait. Tu sens le truc. Ah d'accord, donc c'est le mi truc. Ok. Ah, on peut pas sauvegarder par contre autre. Ah, on peut pas sauvegarder. On peut utiliser un enregistreur quand même. Objet. Enregistreur. Ah non, on peut pas utiliser un enregistreur. C'est chaud ça. Ok. Très bien. Bon bah objet déposé. Qu'est-ce qu'on peut déposer? L'anneau dérivation. Hop, on va le déposer. Et on va déposer aussi la lumiorbe, la désarmorbe, et voilà, ce sera bon. On passe, voulez-vous continuer? Oui, bah du coup on continue, forcément. Forcément. Et donc du coup là on peut utiliser l'enregistreur normalement, c'est ça? Enregistreur, utiliser. Voulez-vous installer l'enregistreur ici pour sauvegarder votre position? Oui. Hop, sauvegarde en cours, ne pas éteindre. La partie a été sauvegardée. Et donc là, on peut éteindre. Bah écoutez les gens, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. J'espère que vous êtes heureux qu'on l'ait fait. Et on se retrouve très vite dans la suite de ce let's play qui m'enchante de plus en plus. En attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.